Les potos, comment ça va, mesdames et messieurs, actually messieurs. J'ai reçu depuis les derniers mois, je suis en train de recevoir des commentaires par rapport au NoFap. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur ça, right? Et puis justement, No Nut November qui vient de terminer. Gros shout out à tout le monde qui a réussi. Et yo, je veux juste faire une mention spéciale à tout le monde qui a essayé. Ça se peut que t'aies pas réussi, ça se peut que t'aies réussi. Et regarde, c'est des choses qui arrivent, ok? Puis ça, c'est des trucs que j'aimerais adresser dans la vidéo d'aujourd'hui, right? Parce que j'ai fait des vidéos auparavant en mode genre, oh ouais, tu vois les bénéfices du NoFap, oh comment arrêter de fap, non. Puis tu sais, dans les vidéos, tu sais, je disais juste genre, apprends à être discipliné, puis apprends à savoir retenir tes besoins de masturber et compagnie. Mais ce qui marche pour moi ne marche pas nécessairement pour toi, ne marche pas nécessairement pour la prochaine personne. Puis pendant un temps, j'ai essayé d'élaborer, mais de venir avec des idées, des stratégies auxquelles qu'on peut employer pour pouvoir réussir le NoFap, right? Parce que techniquement, se fapper gros, c'est quasiment une addiction, right? Moi, personnellement, quand j'étais petit, je faisais ça au moins une fois par jour. Des fois, je faisais ça même deux à genre cinq fois par jour. Juste, je me rappelle, à un moment donné, il y a même un moment où est-ce que je me suis dit combien de fois je peux le faire dans la même journée. Comme c'est à ce point-là que ça devient delusional, right? Si tu sais pas c'est quoi le NoFap, je pense pas que tu as cliqué sur cette vidéo si tu sais pas c'est quoi le NoFap. Si tu sais pas c'est quoi le NoFap, basically, c'est le principe de ne pas se masturber, right? Il y a beaucoup de bénéfices. J'ai sorti une liste, right? Mais j'ai fait une vidéo complète sur ça. Va chercher sur la chaîne, écrit Dr. Melv, NoFap, t'es supposé trouver la vidéo. Mais juste rapidement, j'ai écrit que à force de regarder de la pornographie et compagnie, ça peut niquer ta réalité des choses, right? Parce que quand tu cherches des trucs sur Pornhub ou whatever, tu sais, tu y vas face à tes préférences. Donc, lorsque tu arrives dans la vie de tous les jours, ça nique ta perspective de qu'est-ce que c'est vraiment, genre le sexe ou whatever. Puis, genre, de tes préférences, parce que si tu vas toujours sur BBW, mon gars, ouais, si tu trouves pas une meuf BBW comme qu'est-ce que tu vois dans les films que tu regardes, genre, tu vas pas te faire stimuler. Puis aussi le fait que t'as cette idée préconçue de c'est quoi coucher avec une meuf ou whatever. Lorsque ça va arriver, peut-être un moment où est-ce que tu couches avec une meuf, tu vas pas être stimulé parce que en mode tu vas te dire mais c'est pas comme qu'est-ce que je vois, tu comprends? Ça nique ta perspective. Un autre truc que j'ai marqué, c'est que le fait que tu n'as pas, à force de fapper, genre ça, t'es pas discipliné, tu comprends? Genre à cause du fait que tu comment expliquer la théorie? Tu lâches genre ta bonne énergie, ta testostérone à te masturber et compagnie, ce qui fait que ça te discipline pas dans les autres aspects de ta vie, tu comprends? Parce que tes bonnes énergies que t'es supposé garder à l'intérieur de toi, on pourrait dire genre juste la testostérone, right? La testostérone t'aide à pousser, à être plus viril et compagnie, patati tatata, à cause que tu truques ton cerveau, parce qu'à chaque fois que tu te branles, à chaque fois que tu viens, genre tu truques ton cerveau, parce que ton cerveau, lui, il doit se dire, ah, tu vois, il sait comment se faire les petites, tu comprends? Là, il vient d'éjaculer parce qu'il vient d'éjaculer dans une meuf, tu comprends? Fait que ça, tu sais, il y a tellement de deepness, tout ça. Genre, comme j'ai dit, j'en ai parlé dans une vidéo, right? Mais j'aimerais ça partager une quote avec vous avant qu'on rentre plus deep dans le sujet. Et c'est la quote, c'est « Tu peux pas être un roi si t'es esclave de tes propres pulsions, right? Let that sink in, alright? » So, comment tu veux? Je vois des commentaires de comment être un homme alpha, être le homme. Ça, c'est un petit gag entre nous, nanana. Mais ils me disent, comment je fais pour être ça? Mais comment tu veux être un alpha si t'es même pas capable de contrôler tes propres pulsions, right? Juste pense à ça. Mais bref, la stratégie NoFap, comme je vous ai dit, les gars, pour moi, personnellement, qu'est-ce qui a marché? C'est que du jour au lendemain, je me suis dit, tu sais quoi? Fuck it, je fais plus jamais ça, right? Fait que je me suis aussi dit, si je veux arrêter de fap, qu'est-ce que je peux faire? C'est de trouver des meufs. Si j'apprends à parler à des meufs, là, j'avais pas besoin de me masturber parce que je peux juste coucher avec une meuf et éjaculer. C'est comme ça, moi, j'ai appris à séduire les meufs, à parler aux meufs. C'est une histoire banale, right? Peut-être que ça marche pas pour toi, right? Il y en a plusieurs qui me disent, yo, ça fait tel nombre de jours, et puis là, j'ai fuck up. Oh, je suis une merde, je suis une ci, je suis une ça. Regarde, c'est correct, right? Premièrement, avant même d'embarquer dans le sujet, plus deep dans le sujet, moi, je suis curieux, right? Laissez dans les commentaires
Genre, c'est quoi votre record le plus long? Parce que tu serais saisi, mais toi qui est juste allé pendant 8-9 jours, tu serais saisi le nombre de personnes que eux aussi sont allées pendant 8-9 jours, puis juste voir que on a tout ce problème, on est beaucoup avec ce problème-là, va nous encourager à aller de l'avant. À la place de dire le narratif, hey, j'ai duré 8-9 jours, putain, je suis une merde. Tu comprends? Il faut arrêter de se rabaisser à cause que, ah, oh, t'as fuck up un jour, right? So, comme je vous ai dit, il y a la stratégie d'arrêter du jour au lendemain. Ça demande le plus de discipline parce que c'est comme si tu fumes la cigarette à tous les jours, puis du jour au lendemain, on te dit, ouais, plus de nicotine pour toi. C'est dur. Ça marche pour certains, ça l'a marché pour moi, mais regarde, il y a d'autres stratégies qui peuvent faire en sorte qu'on peut réussir à se rendre à cet objectif. So, fuck, c'était quoi que je voulais? Ouais, c'est ça. So, une autre stratégie qui peut être utilisée, right, c'est que à la place de toujours essayer d'être sur un streak, right, on va dire, ça fait 8-9 jours, t'as des besoins, puis là maintenant, tu décides, fuck it, je le fais. À la place de te rabaisser et de dire genre merde, j'ai fuck up tout mon streak, oh, je peux pas, genre j'ai pas d'aide maintenant, genre je dois recommencer à zéro, non, non, continue, right? On va dire fais ça en cycle de un mois. Fait qu'on va dire dans le mois, il y a 3-4 jours que t'as pas réussi. Mais après, fais un bilan, fais un pourcentage du taux de réussite que t'as. On va dire sur un. Merde, je suis pourri en maths en ce moment, mais on va dire au mois de février, 28 jours. T'as niqué 4 jours, ok? Ça fait que t'as à peu près genre quoi, 85 à 95% de réussite et que tu réalises, et ça va te faire réaliser que même si t'as manqué une seule fois ou 2, 3, 4, t'es pas si nul que tu le penses. Tu sais que 4 fois, genre en un mois, le faire 4 fois, c'est pratiquement juste une fois par semaine. C'est passer de le faire 7 jours sur 7 à une fois par semaine. Genre, il faut que tu réalises à quel point c'est un gros exploit. Et puis, je trouve qu'on n'en parle pas assez parce qu'assez souvent, on est là en mode genre, ouais, si t'as fuck up ton streak, si t'as niqué ton streak, t'es nul. Genre, tu vas jamais être discipliné dans la vie. C'est pas vrai. Regarde, ça arrive aux meilleurs d'entre nous. C'est comme par exemple, ok, si tu vas à la salle de musculation. Si tu vas à la salle de musculation, on va dire, à tous les jours. Et que tu manques une journée ou que t'en manques deux ou trois à travers le mois, là. Est-ce que ça va faire en sorte que tu perds tout le progrès que t'as fait? Non, gros, ça l'arrive to the best of us, ça l'arrive au meilleur d'entre nous que genre, il y a une journée où est-ce que c'est genre, regarde, je peux juste pas, j'ai pas envie de travailler, j'ai envie de faire qu'est-ce que ma tête elle a envie de faire, et c'est correct. Dès que tu continues et que tu essaies de faire les efforts nécessaires, moi je pense que c'est totalement correct que tu n'aies qu'un streak de 9 jours, de 18 jours, mais toi si tu n'es qu'un streak de 9 jours, dis-toi, ok, laisse-moi essayer d'aller cette fois-ci pour 15 jours. Laisse-moi essayer d'aller pour 20 jours. Tu comprends? Puis c'est une accumulation. Puis tu vas passer de niquer un 9 jours à niquer un 90 jours. Ensuite, un 900 jours. C'est correct. Mais au moins, il y a une amélioration. Puis je te promets, ton narratif va 1000 fois être mieux si tu es là en mode, ah, regarde. J'ai fuck up une journée, mais j'ai réussi mes 30 autres journées. Maintenant, je vais essayer de voir si je suis capable d'aller 31 journées. Puis une fois que j'ai mes 31, oh, ok, tu sais quoi? Laisse-moi essayer d'aller 45, 60. Et regarde, si ça nique, ok, on recommence. Parce que je le dis toujours dans mes vidéos, right? Il faut apprendre de nos défaites. Il faut pas se foutre en petite boule. Il faut pas pleurer dans notre lit juste à cause qu'on a eu une défaite. Il faut qu'on apprenne de ça, puis qu'on aille de l'avant. Puis d'autres trucs qu'on peut faire, ok, pour justement s'améliorer, que j'ai oublié, je pense pas que j'en ai vraiment parlé, right? C'est d'identifier quand est-ce que tu as ces pulsions, right? So, moi je sais que, genre, dès que je m'ennuyais, dans le fond, le soir, dès que j'avais rien à faire, ok, on va dire, je regardais du YouTube et je voulais me divertir avant d'aller me coucher, mon cerveau était programmé à je m'ennuie, laisse-moi aller regarder une vidéo, me branler rapidement, puis bonne nuit, tu comprends? Il faut que tu identifies ce comportement-là et puis que tu le changes avec quelque chose d'autre, right? So, on va dire le soir, quand je m'ennuie, moi, mon nouveau réflexe maintenant, c'est juste, je m'en vais dans mon lit, je mets n'importe quoi, un anime, un Netflix, YouTube, je fais juste regarder ça et je m'endors. J'ai remplacé l'envie de regarder des vidéos pornographiques et me branler à juste regarder des vidéos. Genre, ça peut être éducatif, ça peut être quelque chose qui me fait penser à autre chose, mais genre, juste regarder des vidéos normales et aller me coucher. J'ai changé mon habitude comme ça. Sinon, quelque chose qui peut grandement aider, c'est ce que tu consommes en général dans la journée, right? So, sur Instagram, moi, je follow peu de femmes.
parce que dans le but de, ça me tente pas d'avoir des, tu vois, genre les gars qui follow des pages de Instagram model avec des grosses fesses, avec des gros seins, nanana. Comment tu veux garder ce besoin à l'intérieur, comment dire, comment tu veux oppresser ce besoin si on te fout toujours le truc dans ta face, tu comprends? Toujours des gros seins, toujours des grosses fesses. Tu sais que ça t'attire, ça te stimule. Sauf pourquoi garder ça dans ton feed? Puis genre par exemple, tu sais, il y a des pages de mimes, comment les Français disent, des pages de mémés, whatever, les pages comédie, ok? Qui des fois ils font des promotions de porn star ou de femmes et de ci de ça. Gros, quand j'en vois trop, je ne follow la page parce que moi je suis pas abonné pour voir des seins, pour voir des fesses, ok? Si je veux voir des seins, des fesses, je vais m'arranger à apprendre à flirter avec une meuf pour voir ses seins, ses fesses. Aussi simple, tu comprends? So, tu sais, c'est vraiment simple. Là, je sais pas si j'ai pu le raconter super simple pour vous, les gars, mais c'est vraiment simple, les gars. Il faut arrêter de venir dans mes DM me dire, ouais, je suis une merde, j'ai pas réussi, j'ai fuck up après tel nombre de jours, patati patata, man. Il faut pas mettre tout ce stress sur soi-même, right? Moi, j'aimerais ça m'excuser pour ma part parce que j'aurais dû juste aborder ce sujet ou cette méthode beaucoup plus rapidement que maintenant, tu comprends? J'aurais dû pas dire genre, ah ouais, t'as aucune discipline, t'sais pas te contrôler, patati patata. J'aurais dû juste dire, regarde, il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons, mais c'est pour ça que j'ai fait la vidéo d'aujourd'hui où est-ce que c'est là en mode, regarde, it's a day by day, c'est un processus. Regarde, si t'es pas capable de faire du jour au lendemain, arrêter complètement, juste essaye un 3-4 jours. Après un 5-6 jours, 8, 9, 10, 11, 12, 13, jusqu'à que tu te rendes à l'objectif de ne plus jamais le faire. Comme je vous ai dit, les gars, moi personnellement, l'habitude que j'ai changé, c'est le soir quand je m'ennuie, je regarde des vidéos, je regarde d'autres vidéos. N'importe quoi, des animes, des si, qu'est-ce que j'avais envie de regarder durant la journée. Et puis je me suis dit, ok, ben si je suis pas pour venir à cause que je regarde des vidéos, comment est-ce que je peux remplacer cette habitude-là? Ok, il faut que j'apprenne à parler aux femmes. Je dis pas de traiter les femmes comme des objets ou whatever, c'est juste qu'en mode, j'ai appris à flirter. Puis là, bon, des fois j'avais des fréquentations, des fois ça se donne pas, des fois ça se donne. Puis genre, où est-ce que j'avais mon plaisir, c'était de coucher avec une meuf. Ce qui faisait en sorte que j'améliorais de plus en plus mes méthodes de les approcher parce que je voulais de plus en plus se stimuler. Tu comprends? Mais bref, les gars, j'espère que la méthode fut simple. Si ça en aide certains, gros, j'apprécierais juste un gros pouce bleu. Puis j'apprécierais juste que tu t'abonnes. J'essaie juste d'avoir 50 000 abonnés. On est bientôt là. Ceci dit, ceci fait, les gars. Je vous aime excessivement. On se revoit pour une prochaine vidéo. Ciao, zao.